Aujourd'hui, nouvelle leçon de crochet, on va apprendre à faire une demi-bride. Ce qui est bien au crochet, c'est qu'il y a très peu de points à connaître, qu'on utilise les mêmes qu'on fasse du crochet en aller-retour ou du crochet en rond. Je continue sur mon ouvrage en rang droit. J'ai fait une maille en l'air pour tourner, pour passer au rang suivant. Je vais donc faire un jeté en fait avant de piquer. Voilà la différence avec la maille serrée. Je fais donc un jeté. J'ai donc deux boucles sur mon crochet. Je vais aller piquer sous les deux brins comme pour une maille serrée. Je fais un autre jeté. Je le passe dans la première boucle. Je me retrouve avec trois boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Je passe dans les trois boucles. J'ai fait une demi-bride. Je vous remontre. Je fais d'abord un jeté. Je pique. Je fais un autre jeté. Je passe dans la première boucle. Je fais un autre jeté. Je passe dans les trois boucles. On se retrouve quand vous aurez fini votre rang. J'ai donc fini mon rang de demi-bride et on peut voir donc la différence avec la maille serrée, c'est que la maille demi-bride, elle est plus grande.